c'est génération des mini Diaz. Là nous parler de génération des mini Diaz, c'est par rapport de Diaz orchestre ou ensemble, c'est comme ça ça t'est qui était plusieurs groupes musiciens là-dedans. Mais génération mini Diaz, ils étaient venus séparer non seulement de musiciens de non blancs et ils étaient venus séparer d'instruments. C'est ça qui est venu porter une grande différence entre Diaz et mini Diaz. Alors, tu as une pile évolution de mini Diaz qui est sorti. Mais nous avons dit officiellement, et original Schleuchle, lui-même, il était sorti depuis l'année 64 avec non ça, M'en fous bien. Et 25 décembre 1965, M. Sayo te prend naissance après Ibo Combo, lui-même qui était vraiment créé Génération ça. Là, nous parlons de Ibo Combo, c'est parce que tu es ensemble Ibo Lélé, même M. Sayo, il était séparé. Nous voulons parler de José Tavernier et André Romain, M. Sayo, qui était petit Pascal, équipe solide, qui était venu séparer l'orchestre et était venu changer en Ibo Combo. Mais officiellement, Schleuchle, il était dérapé, il était ouvert Portland, côté officiellement, il était sorti le 26 décembre 1965. Alors, nous avons porté original Schleuchle, avec tout monsieur, tout musicien, excepté Serge Rosenthal, guitariste qui n'est pas là, mais qui est remplacé par Édouard Richard, qui a fait une expérience avec Choupa Choupa. Nous invitons à rester branchés. Nous allons suivre original Schleuchle. Et comme c'est lui qui a ouvert Portland, nous allons retourner avec Ressio. Surtout l'homme aime un fille, ou pas table que la lignée. La vie gagne de surprise, un jour qu'on s'en frotte la balle. La vie pas bien vrai, bonheur pas bien vrai, mais pas bien un problème. Surtout l'homme meilleur fille, ou pas table que la légalité. La vie gagne de surprise, on joue qu'on s'affronte la balle. La vie pas bien vrai, bonheur pas guère, mais pas gagne un problème. Thank you.
gagner de moments, pour sentir gagner la peine. Non, même en fille, pour pas de la l'équité. La vie est surprise, il est capable d'abandonner. Pas de vrai bonheur, pour très bien gagner un problème. De moment pour sentir gagner la peine. Non, même en fille, pour pas de la l'équité. La vie est surprise, il est capable d'abandonner. Pas de vrai bonheur, pour très bien gagner un problème. Et ambassadeur, il prend naissance li sous Fontana. Fontana, c'est une formation musicale qui sorti dans l'année 66. Côté, il était fond de ces musiciens, ce sont des étudiants qui étaient formés, groupe de Kachessa, qui étaient relé Fontana, et qui sorti dans la zone d'Elma, cité. Et nous avons dit le 23 juillet 1967, et c'est le ça. Ambassadeur, eh bien, il a été rebaptisé sous nom ça, les ambassadeurs, et il a été sorti, mais c'était Carnaval Ciseaux 68 qui était et by formation musicale ça a une direction dans le monde musical haïtien. Le public a été apprécié c'est tout de suite après Carnaval. Alors, Fondo, il a été sorti avec une originalité par eux. N'a pas le point de vue et harmonisation. Eh bien, nous pas fort vivre un passage. C'est malheureusement, et une fun cap pas là, et Pascal pas là, et puis Mac Ivolsi pas là pour chanter. Mais c'est Tiplume, Ricardo Franck, et comme nous connaissons, c'est un guitariste qui est venu remplacer Hans Félix au sein du groupe des ambassadeurs. Et c'est monsieur qui pourra porter une musique que Albert Pascal chantait. Et qui c'est obligation. Musique, type musique, c'est obligation, mais je suis comme ça, tête collée. Alors, tout musicien ambassadeur, tout est là, comme nous connaissons Ronnie Deauville, c'est un petit Ernst Menenas, eh bien, Ronnie est là comme un monde qui était à côté de Tiplume, côté l'étape fait que dans la chance que nous allons suivre. Avec ambassadeur et qui sortit exactement dans la cité, dans la zone d'Elma, 23 juillet 1967, il était pris naissance dans la Coupe d'Haïti. La musique, ça n'a pas vu pour Sarah. Sarah. Qui t'a dit avec
C'est pour ma jambe.